Bonjour les balances, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage, message de vos guides. Ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à la job, ça peut être par rapport à la vie familiale, on va voir. Pendant que je fais ça... Wow! juste vous dire que si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ou tous les vidéos. Vous pouvez aussi vous fier beaucoup sur les titres. J'essaie de mettre des titres évocants. Pour vraiment que vous soyez capable de suivre votre intuition, de lire quelque chose, faire comme « Ah, ça m'appelle », puis d'aller l'écouter. Parce que je sais que la convention, là, je vais mettre les dates partout, là, je vais mettre les dates, puis je vais mettre les signes, puis tout ça. J'ai essayé de faire quelque chose de différent. Clairement, ça répondait pas, que ça répondait pas, mais le monde est plus... Mon Dieu, à qui je parle? Ouais. J'ai l'impression que c'est une affaire de famille. Ça peut être un couple, puis j'ai l'impression que c'est une affaire de famille. Ça a la vibe famille. Qu'est-ce que je dis? Pas grave. On va faire ça. Faites des likes, faites des commentaires. Merci, merci beaucoup, 500 abonnés. Wouhou! Donc, j'ai l'impression qu'il y a une chicane. Vous êtes en chicane. Un conflit, pour les Français. Est-ce que vous aimez mon accent? chicane, combat. Combat qui dure depuis longtemps. Bonne nouvelle, c'est pas des épées, c'est des bâtons. Fait que ça fait mal, ça laisse des bleus, mais ça coupe pas, puis ben on peut tuer quelqu'un quand même, mais c'est pas si pire. Par rapport à un chevalier de bâton, est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans un couple et que l'autre personne a un ado? Ado, jeune adulte, 25 ans et moins, là. C'est la vibe. OK, je vais vous dire la vibe. J'ai l'impression que vous êtes soit que vous êtes en couple puis il y a quelqu'un dans la famille de l'autre avec qui ça marche pas, ou c'est quelqu'un dans votre famille avec qui ça marche pas. C'est par rapport à un couple, c'est par rapport à une situation familiale. Il y a vraiment du ça marche pas. Ça marche pas, ça fait... Oh, j'ai des gros frissons. Ça fait depuis longtemps. Quand je dis j'ai des gros frissons, ça veut dire que ça résonne avec certains d'entre vous. Fait qu'écrivez-moi les commentaires. C'est quelqu'un qui de très fougueux, chevalier, on le sait, ça passe vite, chuch, puis en plus de bâton, c'est très passionné, beaucoup d'idées, je finis pas tout le temps. Quelqu'un qui est très charmeur, j'ai l'impression que ça vous tombe sur les nerfs. C'est quelqu'un qui est très haut en couleur, qui arrive, puis qui sait qu'est-ce qu'il veut, mais vu que c'est un chevalier, il est pas ancré, il dit un peu n'importe quoi, n'importe quand, ça, il vous tombe sur les nerfs. C'est quelqu'un avec qui ça ne marche pas. Vous êtes peut-être même en combat, soit avec l'autre, avec quelqu'un avec qui j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui est dans un couple, ou avec votre famille par rapport à cette personne-là. Il y a vraiment un conflit. Puis j'ai pas l'impression que c'est si silencieux que ça. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement un conflit intérieur. Il y a des belles petites engueulades des fois. Puis des engueulades, peut-être même pas avec la personne que ça concerne, mais avec les personnes autour, parce que vous êtes comme... Est-ce que je suis la seule personne qui voit sa bullshit? Il y a un aspect de bullshitter. Au Québec, on appellerait ça un petit Chris, un petit fucker. Quelqu'un vraiment de pas le fun. Un petit... Ça serait beaucoup plus facile s'il était pas dans l'environnement avec quoi vous composer. OK, on va le dire demain. Mais il existe, fait que, tu sais, bon, je veux dire, on veut pas qu'il meure non plus, là, mais pas mal sûr que des fois, vous pensez que oui. Il y a comme... Alors ça c'était dans le passé, ça c'est la situation de quoi qu'on parle. Ça en ce moment, il y a quelque chose que vous voulez pas dire. Est-ce que vous parlez plus à la personne? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pas été dites? Puis ça empêche le bien-être, ça empêche de vous sentir bien. C'est comme un nuage noir au-dessus de votre tête. Parce que ça c'est le blocage, là. Puis le blocage c'est le soleil qui est comme une des meilleures cartes au tarot, là. Le soleil, là, c'est vraiment le petit monsieur tout nu, un petit bébé tout nu sur un cheval en plein mois de juin quand il fait pas trop chaud, puis il y a pas de bébé, puis il fait pas humide. Tu sais, genre, ouais, c'est ça, là, c'est qu'est-ce que vous auriez accès en ce moment, mais vu que vous voulez pas parler à l'autre, c'est comme si la communication ne se fait pas avec cette personne-là. Ça pourrait être facile. Non, ça serait pas facile. Ça pourrait être fait. Ça pourrait être fait, mais c'est comme si vous vous donnez pas la permission de le faire. C'est comme si... Je ne sais pas si c'est la famille qui vous empêche d'en parler ou votre conjointe qui est comme « Non, c'est mon fils, tu ne peux pas lui dire ça. » Tu sais, genre, il y a un blocage puis vous aimez mieux pas parler. C'est comme si, s'il y a eu des engueulades, vous faites comme « Non, ça ne sert à rien, on s'est déjà engueulé. » S'il n'y a pas eu, c'est pas encore parlé, si ça n'a pas été verbalisé encore, qu'il vous tombe sur les nerfs,
vous osez pas parce que vous êtes comme non, je veux pas faire de chicane, je veux pas que ça devienne un gros conflit puis que la famille se sépare en deux clans. Tu sais, il y a vraiment cet aspect-là. Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a accès à la vibe, l'énergie, on parle en français, l'énergie de l'impératrice. L'impératrice hyper féconde. Très proche de ses émotions, capacité parfaite de le verbaliser. Un bel accueil aussi. Autant capable d'écouter, de bien écouter, puis de comprendre que d'échanger. Il y a un bel échange, c'est une belle énergie de créativité aussi. Vous pourriez peut-être vous rejoindre par la créativité, parce que c'est quand même chevalier de bâton. Puis comme on sait, l'impératrice, très créative, est enceinte là-dessus. Est-ce que vous voulez tomber enceinte? Si vous ne voulez pas tomber enceinte, on se protège, mais sinon, c'est la carte de Vénus, c'est la carte de la fécondité. Hein? Fait que si vous n'avez pas d'enfant, mais si vous en voulez, bravo. Puis qu'est-ce qui va vous bloquer à ça? La confiance en vous. C'est votre blocage. La confiance en vous. Règne d'épée, là, c'est... Signe d'air. Hein? Signe d'air. Donc, communication. Confiant. Être assis, puis comme... I see you. J'avoue ta bullshit. J'avoue et je communique. Puis elle met pas d'émotion. Elle met pas, mais j'aime qu'il y ait un papillon ici. Je vais juste le dire en passant parce qu'il y a une petite évolution qui s'en vient, j'ai l'impression. Elle met pas d'émotion. Pas dans le sens que elle oublie sa féminité. Parce que là, accès à ça. C'est l'archétype féminin majeur de tous les temps, là. L'impératrice. C'est Vénus. Hello! C'est pas qu'elle oublie sa féminité. C'est qu'elle est capable de mettre mot juste, de mettre mot parfait sur comment est-ce qu'elle se sent. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, vous le sentez, mais vous êtes comme, comment dire ça? C'est clair, vous n'êtes pas capable de le dire, vous n'êtes pas capable de le verbaliser, que ce soit verbal, oral ou écrit. Là, on va aller voir, c'est qui les guides qui sont avec vous. Là, je vais faire attention pour pas vous casser les oreilles, parce que j'ai écouté, j'ai comme frôlé un ancien vidéo que j'ai fait comme « Oh my God! » Ça se fait que j'ai presque 500 abonnés puis on entend ça. Ouais, je suis désolée pour vos oreilles. Oh yeah! Oui! C'est qui les guides qui vous accompagnent pour passer cette épreuve-là puis pour vous aider puis pour comme pousser dans le cul pour le faire? Check bien! OK! Le hibou, qui est littéralement ça. Le hibou, il voit la nuit, 100% comme il voit le jour. Sa tête tourne 360 degrés, il voit la bullshit. Il voit la bullshit, puis, tu sais, c'est un oiseau de proie, hein? C'est un oiseau de proie? Oui. Ben oui, il mange des bébites. C'est un oiseau de proie? Eh, pas sûr, on va faire un Google. Français, vous êtes comme, oh, le Québécois, là, ouais, faut pas éduquer. Bref, le hibou, ça veut dire que les guides, quelqu'un qui revient. Vous allez avoir l'occasion, le Nimpic. Quand le Nimpic, ça n'arrive pas tout le temps dans tous les tirages, quand le Nimpic, ça veut dire que quelqu'un revient. Il revient à la charge, le chevalier. Bref, le hibou, c'est vraiment, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas froid aux yeux, puis c'est très air, hein? Encore une fois, très air, très communication. C'est comme si les guides essayent de vous mettre du vent dans les voiles pour bien communiquer, pour bien exprimer qu'est-ce que vous voulez exprimer, puis vous avez de la misère. Le chaman mystique. Chaman mystique, c'est quelqu'un qui est capable de bien, parce qu'on le voit, il y a la lune ici, de bien équilibrer, de bien la justesse des mots. C'est quelqu'un aussi, c'est un guide qui est capable, tu sais, des fois, dans le non-dit, pas dans pas parler, mais dans le non-dit, tu sais, dans le non-dit, dans les silences, il y a plus de mots que des fois quand on parle. Pourquoi ça? des fois, admettons que dans la situation... Ah, 38-39. Ça suit. Il y a comme 64 là-dedans. Là. Ça suit. Il y a une succession. Il y a une succession, puis qu'est-ce que ça dit? C'est que le chaman mystique est capable de bien peser ses mots, de bien choisir ses mots. Fait que c'est pas juste de voir, d'observer, puis d'approcher la communication, de provoquer la communication avec cette personne-là, mais c'est de le faire bien, de bien équilibrer les choses. Puis aussi de comprendre que l'autre
personne est humaine, que l'autre personne a un côté sombre comme un côté lumineux, de voir le beau côté des choses, puis d'être aussi au courant du côté négatif. Petite parenthèse, ça fait comme si, je sais pas s'ils vendent de la drogue, il y a comme un aspect un peu que je peux comprendre pourquoi peut-être qu'il y a du conflit. Il y a comme un aspect, quelqu'un qui aime un peu jouer avec le danger, qui aime jouer avec le feu. Puis ça, ah, man! Donc, où est-ce que vos guides vous amènent? C'est quoi le cheminement? C'est quoi le... Je trouve ça weird. Les gobelins. Comme dans Labyrinthe avec David Bowie. Les gobelins, ça, c'est vraiment des petits Chris avec qui il faut dealer. C'est de trouver une manière comment être bien au courant avec qui vous dealer. Je pense que vous le savez. Hey! Je pense que vous... Oh. Je vais juste le dire comme ça. Petite parenthèse. Les gobelins, c'est vraiment, comme on le voit-tu vraiment sur là? C'est vraiment des... qui se cachent dans l'ombre. Fait que c'est d'aller voir l'ombre, d'aller visiter cette ombre-là, de pas avoir peur. Cette, l'ombre de cet enfant-là, mais c'est l'enfant de quelqu'un, oui, mais c'est plus un enfant. L'ombre que le chevalier de bâton a dans cette situation-ci, faut pas en avoir peur. Parce que j'ai l'impression que c'est une ombre qui ne vous touche pas. Vous faites pas partie de ce monde-là. Mais c'est d'être au courant que ce monde-là existe par rapport à cette personne-là. J'adore ça. Ces deux cartes-là, ils ont la même vibe. Bone Collector, c'est vraiment... C'est comme le magicien au tarot. Il a le temps de son côté. Il a tous les instruments. Il a tous les outils intérieurs et extérieurs pour arriver à ses fins. Fait que c'est comme si... Qu'est-ce que ça vous dit? C'est... de ne pas avoir peur d'utiliser votre... Vous le savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être ça aussi, peut-être que vous avez peur de confronter ces personnes, cette personne-là par rapport à qu'est-ce qu'il fait ou elle fait. Puis c'est comme, qu'est-ce que ça dit? C'est de ne pas avoir peur de confronter cette peur-là, de le vocaliser ou écrit, là, pas nécessairement oral, mais que vous l'avez la sagesse. Puis vous avez la lumière. Fait qu'il y a comme cet aspect-là et la maison. C'est à la maison. C'est quelqu'un dans la maison. Je sais pas si vous habitez avec, mais ça shake, ça branle les fondations de votre maison. Fait que c'est vraiment de resolidifier les fondations de la maison en mettant cette situation-là au clair. Maintenant, quelle énergie à embrasser? Quoi faire? J'essaie de le faire pas fort, mais je suis pas capable de pas brasser. Elle est pas capable. Pas capable de s'empêcher. Cette personne-là, là, c'est vraiment d'un autre monde pour vous. C'est un étranger. Puis à la place d'en avoir peur, encore une fois, il y a un aspect de peur. Vous avez peur, pas peur, là, mais oh mon Dieu! Mais c'est vraiment comme un aspect de faire comme non. Regardez-le d'un côté curiosité. Si c'est vraiment dans votre maison, puis il y a vraiment quelque chose de néfaste qui arrive, moi, en tout cas, je ferai un petit clean-up. Mais si c'est pas quelqu'un dans votre maison, c'est comme de solidifier sa propre personne, sa propre maison, et de faire comme, OK, j'arrête de le juger, j'arrête de le regarder d'un point de vue avec des sentiments, puis maintenant, je l'approche d'un aspect très curieux, d'un aspect très, je me retire émotivement de cette situation-là, mais je pose des questions, puis j'essaie d'aller chercher. Tu sais, il y a comme un aspect de curiosité, d'aller apprendre à connaître la personne, peut-être plus profondément que qu'est-ce qu'on sait, ou que qu'est-ce que la chicane nous a arrêté à? D'aller voir en dessous. Drifter, expérimenter la vie comme elle arrive. La vie n'est pas parfaite, on le sait, c'est des montagnes. Russes dans certains cas, mais bon, c'est des montagnes. Fait que c'est vraiment... c'est comme si, qu'est-ce que ça disait, c'est qu'il va y avoir une occasion. Il va y avoir une occasion de mettre les choses au clair, de confronter la personne d'une manière impératrice. Impératrice et reine d'épée. Tu sais, vraiment de... Tu sais, là, calme et composé. Bonjour. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de faire comme un accueil. un accueil à la confrontation, puis pas de partir, puis...
T'sais, mais d'expérimenter la vie comme elle arrive. Fait que c'est vraiment, j'ai l'impression que ça va faire un cheveu sur la soupe. J'ai vraiment l'impression que la personne va est pas supposée d'être, il va avoir un party de famille, il va avoir une fête, il va avoir un regroupement, puis cette personne-là, le petit crus, va arriver, puis ça va être comme, oh. Mais à la place, fait, oh, fait, ok, on se déconnecte de cette émotion-là hyper négative qui provoque, puis on va poser des questions, puis on fait comme, puis on écoute, une belle écoute. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Hey, bonne chance, puis écrivez-moi des commentaires si ça a bien marché.